Bienvenue à tous et toutes. Il y a des personnes qui continuent d'arriver. Je suis Laura Ricci, chargée de communication chez Dalibo. J'introduis aujourd'hui notre tout premier numéro des Dalibo Direct. Donc, je vais vous en parler dans 2 secondes. Alors, déjà, qui sommes-nous ? Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Nous sommes Dalibo, une PME spécialisée dans le logiciel open source PostgreSQL. Nous sommes nés en 2005 et nous sommes une SCOP depuis 2012. Et en fait, nous avons imaginé ces nouveaux rendez-vous, en fait, exclusivement en ligne, les Dalibo Direct. Leur objectif est de partager, en fait, les connaissances. Donc, ce sera des connaissances qui concernent le développement, l'administration de bases de données, donc autour de PostgreSQL, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, les pratiques métiers. On a imaginé, par exemple, de parler aussi des pratiques coopératives. Donc, vous pourrez piocher, évidemment, les rendez-vous qui vous intéressent, hein, selon les sujets. On va communiquer un peu plus là-dessus, avant la rentrée. On publiera un programme à ce moment-là. On va essayer de proposer un rendez-vous par mois, mais c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous assurer que ce sera fait. En tout cas, pour 2021, ce sera un rendez-vous par mois. On verra par la suite. Comment ça va se dérouler ? Donc, en tout, ça va durer environ 40 minutes. 20 minutes de présentation. Les 20 minutes suivantes seront pour les questions et les réponses. Donc, on aura un autre collègue qui modérera du coup ces questions. Comme je vous l'ai dit, ça sera enregistré. Et pour le moment, on a choisi de couper les micros et les webcams. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. C'est un petit peu un test. C'est pour ça que voilà, les paramètres sont comme ça aujourd'hui. Et vous pouvez poser vos questions dès à présent, en fait, sur la discussion publique, hein. N'hésitez pas d'intervenir. Les questions seront posées à la fin. Voilà. Donc, tout de suite, je vais laisser la place et le micro à Pierre, qui est développeur et qui est donc le créateur de PF2, un logiciel que vous connaissez peut-être déjà, et Christophe, qui est DBA consultant et qui donc utilise l'outil et il peut donner du coup un retour et son avis dessus. C'est pour ça qu'il le présente tous les deux. On va quand même faire un sondage là tout de suite. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler de PF2 déjà ou d'Explain? Donc, il faut créer le sondage. Je le fais dès à présent. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de PF2 ou d'Explain? Allez, je publie. Donc, la majorité des gens, voilà, vous connaissez PF2 ou Explain, en tout cas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai que c'était un sujet un peu pointu. Voilà. Le second sondage. Alors, le second sondage. À quelle fréquence utilisez-vous donc explain.dalibo.com ou PF2? Donc ça, bien sûr, ça s'adresse à ceux qui connaissent l'outil. Donc, vous avez la possibilité de dire jamais, une à deux fois par an, plusieurs fois par mois, quasiment tous les jours. Donc, voici le sondage A, B, C ou D. Voilà, donc on voit que c'est assez partagé. Il y a environ un quart qui ne l'utilise jamais. Un peu moins d'un quart, un cinquième qui l'utilise une à deux fois par an. Peux-tu nous publier le résultat, s'il te plaît ? Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, c'est plus facile. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et je vais maintenant laisser la place à Pierre et Christophe. Donc, c'est à vous. Vous pouvez passer en présentateur. Moi, je coupe mon micro. Il aura la introduction. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vois qu'il y a une majorité, en effet, qui connaissent déjà l'outil. Et puis, la plupart d'entre vous qui l'utilisent très peu. Je m'attendais à avoir des gens qui l'utilisent un peu plus, mais finalement c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir montrer ce que peut faire PF2 et en quoi ça peut vous être utile. On va
Ben, tout de suite, en fait, démarrer sur la présentation. Et je vais couper ma webcam pendant ce temps-là pour que y ait plus de place pour la présentation elle-même. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, la présentation aujourd'hui concerne PF2 et explain.nadibo.com. Et on va vous montrer avec des exemples concrets qui sont issus en fait de notre système de tickets au support chez nous, chez Dalibo, avec un certain nombre d'exemples qui sont assez représentatifs de ce qui peut exister comme plan d'exécution et comment PF2, l'outil lui-même, peut vous aider à résoudre les problèmes liés au plan d'exécution. Un petit tour d'abord sur PF2, qu'est-ce que ça veut dire? PF2, c'est Postgres Explain Visualizer version 2. Je suis parti d'un outil qui existait déjà, que j'ai repris, que j'ai amélioré, et qui avait été plus ou moins abandonné, en tout cas le développement avait été abandonné par son développeur initial. Voilà, j'ai repris ça et je l'ai remodernisé et j'en ai fait un outil que j'ai publié, diffusé. Cet outil permet de mieux comprendre et d'analyser les plans d'exécution. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. Étant donné que c'est une librairie JavaScript, vous pouvez l'utiliser soit en mode standalone. J'ai développé la possibilité d'utiliser PF2 dans votre navigateur sans connexion Internet. Vous téléchargez l'archive qui se trouve sur GitHub, vous faites une extraction de cette archive, vous mettez le fichier index.html qui se trouve là-dedans dans un onglet de votre navigateur et vous pouvez l'utiliser localement. Vous pouvez également utiliser PF2 dans un autre outil. Si vous avez une application web qui fait déjà de la supervision, vous pouvez l'intégrer dans cette application web. Pour l'instant, je n'ai aucun exemple de cette utilisation, mais c'est prévu. Donc, n'hésitez pas à aller voir le code, hein, pour savoir comment c'est possible de le faire. Et enfin, on a mis en place chez Dalibo un service qui vous permet d'utiliser l'outil via voilà, ce explain.dalibo.com. Alors, un petit aperçu rapide pour commencer. Je vais vous présenter tout simplement à quoi ressemble explain.nalibo.com et ce que vous pouvez en faire. Ici, vous pouvez mettre un titre à votre plan si vous le souhaitez, saisir votre copier-coller votre plan ici d'exécution. Vous pouvez également déposer des fichiers. Il va être capable de les extraire. Et puis enfin, si vous l'avez à disposition, la requête qui vous a permis d'exécuter ce plan, elle pourra apparaître ensuite dans l'interface. Donc là, je vais prendre un plan d'exemple. Voilà, c'est un plan qui est issu d'une requête, la requête correspondante. Et si je soumets ça, donc ce qu'il faut savoir ici, c'est quand on clique sur le bouton Submit, tout reste local. Il n'y a rien qui est envoyé sur le serveur, il n'y a rien qui est stocké en base de données. On voit le plan d'exécution qui s'est affiché sous une forme arborescente. On voit ici un diagramme qui permet de voir un certain nombre de propriétés facilement d'un seul coup d'œil. Ici, on a le temps passé dans chaque nœud. On peut afficher le détail des nœuds. Ici, on voit qu'on a de la parallélisation. Donc, on peut aller voir le détail des workers. Alors, ici, il manque des détails parce que la requête n'a pas été exécutée avec le mode verbose. Donc, il manque certaines informations. Mais on sait qu'on a quatre processus en parallèle qui ont été déclenchés. On peut, si on souhaite, changer le mode d'affichage, si on préfère le mode plus classique qu'on a l'habitude de voir, avec une arborescence cette fois-ci plus à plat, etc., etc. Alors, je vous invite à aller tester l'outil, à tester les plans d'exécution qui sont disponibles ici sous forme d'exemple. Il y en a un certain nombre. Il y en a un qui est très gros, par exemple, pour pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, on a un plan d'exécution qui est bien plus complexe. Voilà, n'hésitez pas à aller tester tout ça. Tester les différentes choses. Et je vous propose de passer directement dans le vif du sujet avec un premier exemple qui est un exemple très basique qui correspond à un cas concret. On a une table avec beaucoup de données et un champ Organization ID sur laquelle on fait une requête. Voilà, on veut récupérer le produit qui correspond à une certaine société. On a le plan d'exécution ici qui s'affiche. On peut l'afficher en mode texte ou en mode JSON. Et puis, on choisit
de l'envoyer dans explain.nalibo.com et on regarde ce que ça donne. Donc là, c'est très simple, c'est très basique. On a un seul nœud qui est un sequential scan. Voilà, on peut avoir l'information ici de ce que ça veut dire réellement un sequential scan. Et puis, on a des informations qui apparaissent en plus que l'outil PF2 a calculé. Par exemple, le temps d'exécution du nœud. Alors, il est en format texte, il est un petit peu brut, mais voilà, on peut l'extraire et on peut surtout extraire le temps passé spécifiquement par ce nœud. Donc ici, l'arborescence est très simple, mais quand on a une arborescence un peu plus complexe, ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles à comprendre, à lire à partir du plan original. Ici, il y a un truc qui est notable, c'est que le nombre de lignes qui ont été supprimées par le filtre, donc le where, etc., eh bien, on a 99% des lignes qui ont été supprimées. Ça veut potentiellement dire que la table complète a été lue, tout ça pour nous retourner une seule ligne. Il a lu 100 000 lignes pour en enlever 99 999, donc là, il y a un problème. Et là, ici, c'est ce que nous indique le petit entonnoir ici. Donc, ce qu'on peut faire sur cet exemple-là qui est simple, on peut aller ajouter un index, on crée l'index, on réexécute le plan, on a un nouveau plan, et là, ça se passe beaucoup mieux. Si je prends la requête initiale, ça prenait 8 millisecondes. Avec le nouveau plan, on compare. Là, on a des données bien plus correctes et on a moins d'une milliseconde pour exécuter le plan en question. Ça, c'est un exemple très basique qui montre comment on peut créer un... Comment PF2 peut nous indiquer qu'il manque potentiellement un index. L'exemple 2 est un petit peu plus complexe. Même sacrément plus complexe. Ici, on a un plan d'exécution que j'ai même tronqué, qui est bien plus gros que ça. Donc là, qui est un exemple qui nous a été fourni par un client. Un client nous a demandé un jour, j'ai un problème avec une requête. On lui demande le plan d'exécution, et là, on voit qu'on a un plan d'exécution qui est bien plus gros, avec beaucoup plus de nœuds, et on cherche à comprendre où sont les problèmes. Donc là, je vais... donner un peu plus de marge à la partie gauche. Et là, on voit dans le diagramme qu'on a un plan, un nœud, en particulier, qui prend beaucoup de temps. Notre exécution totale, notre temps d'exécution est de 14 secondes. Et on a un nœud qui lui-même prend 12 secondes. Donc ça représente beaucoup. On peut aller voir le détail du nœud en question. Mais on a déjà une information, c'est que c'est un function scan. Et ici, c'est un nœud, donc c'est un nœud de base, on va dire, qui exécute une fonction. On a le nom de la fonction. Donc ici, c'est obfusqué, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne voulait pas montrer les données du client. La fonction s'appelle FileZulu. Et ici, clairement, dans ce cas, il faut aller voir ce que fait la fonction. Et comprendre pourquoi les performances de cette fonction-là sont mauvaises. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, elle est potentiellement de toute façon lourde et pas performante et on ne peut rien y faire, mais peut-être il y a des choses à faire. Et en tout cas, c'est dans cette fonction-là qu'il faut aller faire des modifications si nécessaire pour pouvoir améliorer la requête en elle-même. Ce qu'on peut voir aussi dans l'onglet Buffers, c'est que la fonction est allée lire dans les blocs partagés 44 gigas. Et donc ça, c'est potentiellement beaucoup et ça peut donner des informations. Donc cette information, vous pouvez la retrouver ici dans le diagramme avec l'onglet Buffers, avec le détail, ou bien ici dans l'onglet IO Buffers, et vous avez le détail avec ce que ça représente en nombre de gigas. Je pense qu'on a fait le tour pour ce plan d'exécution. Voilà, c'est le code de la fonction elle-même qu'il faut potentiellement aller revoir. Pour l'exemple 3, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous détailler ça. Un nouveau plan que je vais afficher ici. Et on va aller voir ensemble ce que PF2 peut nous donner comme information. Christophe, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tous.
Donc ce plan est moins énorme que le précédent. De la même manière que sur le plan précédent, on voit tout de suite à gauche quel est le nœud qui représente l'essentiel du temps. Effectivement, c'est le nœud 11, l'index Olniskan, qui prend 11 secondes sur les 12, 13, même 12 du plan. Donc il apparaît en bas. Avant de regarder en détail, je regarde toujours moi l'onglet Buffers, comme l'a fait déjà dans l'autre plan. Et là, on s'aperçoit que ce plan, en fait, un index Olniskan est censé être quelque chose d'être performant, parce qu'il va lire juste un index et même pas la table. Or, on voit qu'il lit plus de 5 gigas en RAM, dans le cache de Postgres, il va lire 4 gigas potentiellement sur le disque. Donc il est vraiment très consommateur en I.O. et aussi en CPU. Quand je vais en détail dans le nœud, on le déplie, on voit deux choses, donc c'est le plus long. Les statistiques, la ligne rose, les statistiques sont complètement fausses. Il y a facteur 250, on a 2 millions de lignes, on attendait 8000. Et sur ces 2 millions de lignes, la ligne suivante, ipfetches, indique que 1 million ont été récupérés dans la table. Donc un index Olniskan censé se baser uniquement sur un index va en fait pour la moitié de ces lignes lire directement dans la table. Pourquoi est-ce qu'un... Alors après c'est la culture de comment fonctionne PostgreSQL qui doit aider. Pourquoi est-ce qu'un index Olniskan va quand même lire dans la table? Il faut savoir que c'est le vacuum n'est pas passé assez récemment. Et donc ça explique à la fois les deux. Voilà, donc l'infobule même vous le suggère. PF2 permet quelques petits conseils de ce genre. Il manque donc un vacuum analyse, même vu que les statistiques ne sont pas vraiment à jour. Et en fait, donc c'était le conseil donné au client. Passez un vacuum. On a vérifié qu'effectivement il était en retard, qu'il n'était pas passé depuis longtemps pour diverses raisons. Passez un vacuum analyse sur la base, ou au moins sur la table, et ça ira sans doute beaucoup mieux. Et effectivement. Ça a été la solution qui a permis au client de résoudre son problème. Après, le schéma, pour ceux qui connaissent, c'est du Alfresco. On contrôle les problèmes de performance avec Alfresco parce que les statistiques sont difficiles à avoir. Les statistiques précises. Voilà, donc c'était l'essentiel à savoir sur ce nœud. On a repéré tout de suite qu'il y avait un index Olniskan totalement contre-performant. Alors malheureusement, on ne peut pas vous montrer le plan d'exécution une fois le vacuum analyse fait, parce que le client en question ne nous a pas fourni le nouveau plan. C'est dommage, c'est souvent le cas. Donc on n'a malheureusement pas la possibilité de vous le montrer. Exemple 4. Alors ce plan d'exécution est une requête qui a duré, correspond à une requête qui a duré en effectivement 1h37. C'est un plan aussi assez complexe. Et voilà, on voit bien 1h37 au total. Et on a, pareil, un nœud qui en particulier prend du temps. Je te redonne la parole encore. Oui. Christophe. Donc ce nœud, évidemment, on va sauter dessus. Donc comme tout à l'heure, l'onglet temps nous donne le temps d'exécution. Et ici dans Buffers, on voit qu'effectivement, il est très consommateur en accès, uniquement en RAM. Il a quand même lu 6 Tera dans le cache de Postgres, de manière répétée. Pour voir le détail du nœud, donc, voilà. c'est un des intérêts de PF2, c'est tout de suite plus réaliste de voir un nombre de teraoctets lu en RAM, oui, plutôt je défie quiconque de lire le 851.262.000 et dire que c'est 6 Tera. Oui, 6 Tera, effectivement. 6 Tera lu en RAM. Alors, pas d'un coup, là, le serveur n'a pas 6 Tera de cache pour Postgres. En fait, donc quand on lit un peu le détail, on regarde que le nombre de lignes de 170 millions est, on va dire, raisonnable et était correctement estimé. Il y a deux choses qui frappent. La première, c'est, comme on a déjà vu dans un des premiers plans, le nombre de lignes supprimées par le filtre de 99%. Donc là, ça, comme dans le premier plan, ça hurle, doit manquer un index, ou le index n'est pas utilisable, s'il y en a un. Et aussi, alors c'est pas encore mis assez en évidence dans cette version de PEV, le nombre de boucles à la fin, les 170 millions de lignes récupérées l'ont été une à une. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 170 millions de sexcans. Et c'est ce qui explique que, même si la table n'était pas bien grosse, il y a quand même eu un énorme travail en CPU pour récupérer le contenu 170 millions de fois. Si on regarde le critère dans MISC, oui.
on s'aperçoit que c'est un critère assez simple. Donc là, effectivement, ça donne envie d'aller chercher le modèle et de regarder s'il y a un index et pourquoi, s'il y en a un, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé. Et dans le cas présent, ce n'était pas le problème. Donc là, j'ai montré aussi le plan pour montrer à peu près quoi il ressemble globalement. On a bien les six terras qui sont lus. On a envie de mettre un index et en fait, ce n'était pas ça. Après recherche plus fine de nos consultants, il s'est avéré que le planificateur dans Postgres n'est pas peut-être allé assez loin dans les plans possibles, dans les plans d'exécution possibles. Et il s'avère qu'en poussant la limite, le collapse, les paramètres collapse limite qui sont dans les paramètres de configuration de Postgres, eh bien, on a dit à Postgres d'aller chercher plus loin et d'aller tester d'autres plans d'exécution. Et il s'avère que c'était la bonne solution, puisque avec un autre plan d'exécution qu'il n'avait pas du tout proposé initialement, on s'est aperçu que, certes, la planification elle-même prenait plus de temps, mais pour un résultat bien, bien meilleur. Donc, on tombe de 1h37 à environ une seconde pour la même requête, simplement en lui disant teste d'autres plans d'exécution, peut-être qu'il y en a de meilleurs. Donc c'était assez, assez représentatif ici de l'intérêt de changer ce paramètre. Passons au plan à l'exemple 5. Celui-ci. Christophe ? Oui, alors cet exemple était une requête répétée de manière assez fréquente. Elle ne dure que 2 secondes, mais le client l'utilisait très souvent sur son serveur et il s'étonnait que la consommation CPU était énorme. Donc comme dans les cas précédents, il y a un nœud qui se détache. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers intérêts de PF2, où on voit tout de suite le problème principal, enfin la première chose qu'on a envie de creuser, même si, comme on l'a vu précédemment, c'est pas forcément le cas problématique, enfin la cause principale. Donc 2 secondes pour ce nœud quasiment, donc presque toute la requête. L'onglet buffers nous indique que effectivement là aussi il va lire beaucoup en mémoire. On déplie le nœud pour voir quel est son détail, le hip scan, et l'index scan aussi dessous, c'est intéressant parce qu'ils vont souvent ensemble. Voilà, on s'aperçoit que le nombre de lignes récupérées, le nombre de lignes removed est de 65%, donc ça veut dire qu'on a viré à peu près les 2/3 des lignes récupérées, c'est-à-dire que c'est un filtre pas vraiment efficace, enfin pas si efficace que ça, un index. On a peut-être l'envie d'index qu'on pouvait avoir sur d'autres cas n'est pas forcément aussi évidente ici. Si on regarde par contre les filtres, dans MISC, quel était le critère de filtrage, on s'aperçoit qu'on a une recheck et un peu plus bas, on a le filtre. Descends un petit peu, Pierre, s'il te plaît. Pardon. Voilà, on a le filtre et là on est sur le bitmap exp scan. Et donc l'index scan qui est juste en dessous va nous indiquer autre chose, le nœud suivant et là l'onglet MISC. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des requêtes spatiales. Il y a du PostGIS là-dessous. Le client consiste à, en fait, le problème du client est de chercher où sont ses bâtiments quasiment dans toute la France, sur un ensemble de parcelles. Donc, comment ça se passe ici? Le bitmap index scan utilise l'index GIST qui est sous-jacent pour récupérer un certain nombre de lignes qui ensuite vont être cherchées dans la table et ensuite rechecker. Et tout cela prend beaucoup, beaucoup de temps parce que les index, enfin, potentiellement toute la table va être scannée. On arrive à un problème d'optimisation. Alors, on sait maintenant que cette requête, je crois pas qu'on ait le plan, enfin, la requête précise de celle-là, de mémoire, elle était très très simple. Donc, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'optimisation possible en termes de critères ou de modification du plan. Les pistes ont été creusées à l'index. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que l'index est cohérent? Et ensuite, après, on arrive au niveau fonctionnel, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de rechercher tous les index, tous les critères, toutes les intersections possibles? En tout cas, on a surtout pu dire au client, votre problème, c'est que vous recherchez tous vos bâtiments, vous les recherchez quasiment sur toutes les parcelles qui est dans cette table, ce qui était beaucoup beaucoup trop, et on a expliqué au moins pourquoi il y avait un CPU. Donc là, le problème n'est pas la requête elle-même, PostgreSQL fait ce qu'il peut,
Par contre, on arrive par contre à un problème fonctionnel sur quoi on a Ok, pointé précisément. stop, excuse-moi, je Oui. te coupe un peu la parole. Il faut qu'on avance un peu, on est limite dans les temps. Donc voilà, on va passer à un exemple suivant, l'exemple 6, qui est un exemple que j'ai moi-même rajouté volontairement parce qu'il montre un exemple particulier. On a une requête qui prend certes 7 secondes avec un. Voilà, un plan d'exécution. Ben, même si on cherche, on va obtenir des informations qui sont certes intéressantes, mais si on fouille, on a du mal à savoir ce qui se passe. Et OK, ça paraît correct. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que les nœuds eux-mêmes qui peuvent être intéressants. Si on regarde, c'est cette partie-là. OK, il n'y a pas forcément de choses intéressantes là-dedans. Par contre, ici, on a le Just-in-Time Compilation qui, lui, a pris beaucoup de temps. Et si on regarde sur les 7 secondes, il y a aussi 7 secondes qui ont été utilisées rien que pour le JIT. Et le problème est là. Donc c'est ce que PEP2 ici met en évidence, c'est qu'il n'y a pas uniquement les nœuds et des propriétés, des valeurs de temps, de coût, de buffer dans les nœuds eux-mêmes, mais il peut y avoir des informations statistiques plus globales qui sont intéressantes que PEP2 peut vous faire remonter. Et dans le cas présent, voilà, c'est le JIT qui est problématique. Et un de nos consultants a dit, ben, le problème, il est là. Et en fait, il ne faut pas, dans ce cas-là, qu'il y ait de compilation à la volée qui soit faite. Il a proposé au client de transformer, de modifier le paramètre de configuration de Postgres, JIT Optimize Above Cost, de 500 000, qui est la valeur par défaut, à 1 million. Et voilà la réponse du client. On n'a malheureusement pas le plan d'exécution une fois ce paramètre modifié, mais en tout cas, la réponse était là. C'est le genre d'information que PEP2 peut vous donner également et pour aller chercher des informations supplémentaires. Je pense qu'on a fait le tour. On n'est pas trop mal dans les temps. Vous aurez les contacts que je vais laisser afficher ici, que vous pourrez obtenir par d'autres moyens et on peut, je pense, passer aux questions. Je vais couper la présentation et puis revenir à là. Je reviens au présentateur. On va passer à la phase de questions, si ça vous va. Est-ce que Robin, tu as eu des questions intéressantes? J'ai une question qui a été répondue par Christophe. Dans l'exemple 5, est-ce qu'il y a du GIS derrière? Donc oui, il y a du PostGIS. Après, on a une question sur l'exemple 4, des questionnements sur le fait que 6 Teraoctets soient chargés en RAM. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette partie? 6 Tera, c'était 170 millions de boucles qui ont chacun récupéré un certain nombre de données, et au total, ça fait 6 Tera. Et c'est ça, souvent, qui n'est pas vraiment visible dans les plans au premier coup quand on les lit en texte pur, c'est que cette quantité ensemble bon, s'exprime en bloc de 8K, et il faut s'amuser à faire la conversion pour avoir une valeur concrète, si on peut dire, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a effectivement 6 Tera lu en mémoire, et c'est quelque chose de totalement colossal. Mais c'est pas 6 Tera d'un coup, c'est pas un sexcan de 6 Tera, c'est 170 millions, un certain nombre de lignes qui font au total 6 Tera. Ce qui prend une masse considérable de CPU également, même si on est en cache. Merci Christophe. Nous avons une seconde question de Emmanuel Gauthier. Faut-il privilégier la version Explain ou la version PEV2 en local? Est-ce que les deux sont synchronisés en termes de version? Alors les deux mon capitaine. En effet, j'essaie de synchroniser et en général ça se passe plutôt bien. La version que vous allez trouver pev2.tar.gz est liée à chaque release et je fais des releases quasiment. Enfin, il y a très peu de commits dans chaque release. Donc dès que je corrige une erreur ou que je rajoute une petite fonctionnalité dans pev2, en général je fais une release quasiment aussitôt. Et à partir du moment où je fais une release, vous avez accès à l'archive pour pouvoir utiliser PEP2 en local. Et en général, dans la demi-journée, je mets à jour explain.nalibo.com pour que la version soit synchronisée. Bien souvent, les deux sont synchrones.
Merci Pierre. On a une autre question de l'utilisateur Dembélé. Comment faire pour avoir PEV2 en local et chez nous? Et est-ce qu'il est gratuit ou payant? Alors, c'est une question que j'ai peut-être du mal à comprendre. PEV2, de toute façon, c'est un logiciel libre et gratuit. C'est la librairie JavaScript qui se charge de faire l'affichage du plan d'exécution et des statistiques et du diagramme, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie librairie. J'ai fait en sorte de développer une toute petite application HTML qui permet de l'utiliser en local. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'archive pf2.tar.gz que vous allez pouvoir trouver facilement. Vous allez sur le projet GitHub et vous aurez un endroit, quelque part, la possibilité de télécharger la version. Je crois que j'ai mis USB on a stick ready ou je sais plus quoi dans le README. Vous pouvez l'utiliser localement. Et ensuite, le service explain.animo.com, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Alors, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, oui, le service est gratuit. Explain.animo.com ne nécessite pas de payer quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Alors, je pense que sa question aussi, c'était est-ce qu'il peut le récupérer, récupérer les sources aussi également. Alors, les sources de PEV2, oui. Les sources de l'archive également. Ce qui n'existe pas encore, que je compte publier un jour, c'est l'application web qui tourne derrière explain.dalibo.com. Donc on me l'a déjà demandé, il y a des gens qui veulent pouvoir l'installer dans un réseau local pour pouvoir partager des plans. Petit avantage qu'a explain.dalibo.com par rapport à l'archive et l'installation locale, c'est le partage de plans, ce que je vais vous montrer tout de suite, parce que c'est peut-être pas forcément très clair. Quand vous êtes sur explain.dalibo.com, oups, excusez-moi. Quand vous êtes sur explain.dalibo.com, que vous avez chargé un plan d'exécution, imaginons que vous ayez chargé un plan d'exécution ici. Ici, à partir du moment où vous avez cliqué sur Submit, j'ai dit que c'était local, c'était dans votre ordinateur, c'était pas envoyé sur le serveur. Par contre, si vous avez besoin de montrer ça à un collègue, par exemple, ou à un client, ou je ne sais qui d'autre, il faut appuyer sur le bouton Share ici et le service va enregistrer le plan d'exécution en base et va vous fournir un lien unique, pérenne, et qui va rester disponible, que vous pouvez partager. Et ce lien-là, vous le copiez, vous le glissez dans un mail, et la personne qui reçoit le mail peut consulter ce plan d'exécution. Merci Pierre. On a une autre question de l'utilisateur Gigian. Sur quel OS peut-on installer PEV2? Alors, je vais peut-être réexpliquer encore un tout petit peu. Alors, la librairie PEV2 peut être utilisée avec une archive. Il suffit de récupérer cette archive ici. Là, moi, je la télécharge en direct. Je vais l'extraire, vous ne pouvez pas le voir, mais elle est extraite sur mon ordinateur. Je prends le fichier index.html qui vient avec, je le glisse dans mon navigateur. Voilà, moi je suis sur mon ordinateur ici et j'ai PEV2 disponible. Ça c'est PEV2, on retrouve la même chose qu'il y a dans explain.alibo.com, si ce n'est le partage. On ne peut pas partager ici puisque ça, tout ça, c'est vraiment sur mon ordinateur, dans mon navigateur, et ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de base de données. Ensuite, ça ne s'installe pas vraiment. Je ne sais pas si je suis clair. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui. Du coup, j'ai pas d'autres questions dans le pool.
Je vais repasser la main à Laura. Ok, merci beaucoup. Alors, je reviens. Voilà. Donc, merci beaucoup à Pierre, Christophe et Robin aussi pour sa participation. Merci à Jean-Paul aussi qui a bien participé au chat. Et bien sûr, à tous les participants. Donc, on a noté qu'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu tard, sûrement à cause de contraintes, ou alors il y a des personnes qui ont eu des problèmes de connexion, en tout cas à la session. Je rappelle que ça a été enregistré, donc ce sera rediffusé et vous aurez l'info à travers nos médias. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dalibo Direct. Comme ça, vous aurez des informations qui concernent ce sujet en particulier. Donc, je vous redis rendez-vous. Ah, je vois qu'il y a encore des questions. Est-ce que vous avez une petite minute pour y répondre, peut-être ? Je veux bien y répondre. Ouais, allez. Je veux bien y répondre. Alors, évolution possible, on va mettre ça au pluriel. Oui, j'ai toujours plein d'idées en tête sur des évolutions possibles de la librairie PF2, notamment faciliter encore un peu plus le travail. Donc là, pour l'instant, c'est des données qui sont encore un peu brutes et il y a très peu de conseils qui sont donnés sur comment régler un problème qui apparaît. Donc, on voit le problème apparaître, mais on n'a pas encore de solutions possibles. Et ça peut exister, ça demande un peu plus de travail, mais on peut arriver à faire ça. Les autres questions, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de se connecter sur un serveur Postgres et extraire des plans relatifs aux sessions ? J'ai envie de répondre non, parce qu'en fait, la librairie PF2, elle ne fait que afficher les informations d'un plan d'exécution. Par contre, il y aurait toujours la possibilité, dans une application qui fait déjà de la connexion à un serveur Postgres et ce genre de choses, imaginons une application de monitoring, on pourrait très bien imaginer intégrer PF2 là-dedans, c'est-à-dire que c'est l'application plus globale qui récupère des plans d'exécution associés aux sessions et elle utilise de façon sous-jacente PF2. Et voilà, c'est dans ce but-là, dans cet objectif-là que PF2 avait été imaginé au départ. Et donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et envisageables, mais en tout cas, ce n'est pas PF2 qui fera ça tout seul, il y aura plus de choses. PF2 est finalement qu'une librairie qui fonctionne dans le navigateur. J'espère que c'était clair. Merci Pierre. Donc, désolé, on va devoir couper court en fait, pour essayer d'être dans les temps. Merci encore pour votre participation, que ce soit par écrit, c'était par écrit de toute façon, voilà, excusez-moi. Et vous aurez plus d'informations sur les futurs numéros des d'Alibo Direct à la rentrée. Les sujets devraient être variés en fait à partir de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, entre autres. Et bonne journée à vous. Je vais couper du coup l'enregistrement. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home.